Déjà que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, était tombé sur le champ de bataille. De son vivant, le maréchal a permis au pays de retrouver la place qui lui revient, en mémoire à ses sacrifices immenses pour le repos éternel de son âme. Le Sylla, à l'instar des autres provinces, a organisé ce 20 avril 2022 des séances de prière et des lectures du Saint-Coran. Un événement qui a vu la présence du gouverneur de la province de Sylla, Ismaël Yamouda Diorbo, et d'autres responsables civils et militaires. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Sylla, chef Ahmad Bukhari Diadi, a loué les efforts du maréchal du Tchad, ce héros d'État moderne qui a su unifier le pays. Pour le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut des Sylla, l'héritage laissé par feu maréchal est à préserver. Et c'est l'objectif que se fixe le conseil provincial du MPS de Sylla, a ajouté Mohamed Assouar. Une fatiha a été dite pour la paix de l'âme du maréchal du Tchad, fait Idriss Déby Itno.